me trouver dans des situations difficiles. Mais j'ai persévéré et m'en arrivé côté Mboalé. Je dis, moi, je pense que la situation ça, n'a pas répondre par le juridique pour nous sortir et la donne et nous créer position politique. Non. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement, justement, au monde qui a sauvé le pays, ça, nous avons son leadership collectif. Je ferai toujours partie d'un leadership collectif pour sauver ce pays avec des positions haïtiennes, mais en regardant justement tous les pays amis qui sont à côté de nous, droit dans les yeux, pour que nous sachions la position haïtienne que nous prenons. Mais en attendant, pour sortir, la bataille juridique doit être menée. Et si c'est pour la bataille juridique, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, mon système va quand même mêler l'État fédéral devant la justice pour que Dieu porte preuve de sa rivière. Merci, sénateur Lambert. Merci, sénateur Latortue. On a enchaîné rapidement avec sénateur Lambert. Sénateur Lambert, vous là? Oui, je suis là. Oui, nous reprenons une question pour Val. Est-ce que vous pensez que c'est ambition pour un président qui fait blanc, prend une décision, ça a mis non liste comme ça, et pour mettre on camper loin? On est politique. C'est quoi faire politique? Et comme toute partie politique n'a pas de définition, ça veut dire. Parti politique, il est là, il est créé tête, il est organisé, puis il prend pouvoir. Mais puis il prend pouvoir, puis il met au service de la population, au service du plus grand nombre. Tant que tout est politique, il faut garder l'ambition. Ambition pas mal à un certain moment, c'est à l'école. Ambition pas moins à un certain moment, c'était venir gagner un diplôme. Ambition pas moins à un certain moment, c'est venir un acteur politique. Pour me venir député, pour me venir sénateur à deux reprises, pour me venir président Sénat à quatre reprises, pour me venir président Assemblée nationale, pour me venir CASEC, pour me venir AZEC et autres, etc. Pour me venir ministre conseiller et autres, etc. Écoutez, j'ai fait mon temps. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de reprendre, comme tu as dit, ou salitio ça, pour mettre le sous dou, dans un moment où nous pensons que institutionnellement, et que ce soit du point de vue de la constitutionnalité, du point de vue de l'institution ou même en tant que tel, que ce soit en termes de légitimité, à un certain moment de la durée, Joseph Lambert, avec la résolution du Sénat, eh bien, pourrait être accepté pour être président provisoire. Les États-Unis, très certainement, qui sait, le Canada aussi, pas de gain, sans doute, l'agenda politique par Haïti. Je préférerais un autre schéma politique. Étant donné que, de nature, je suis un fighter, eh bien, moi, continuer bataille. Mais continuer à faire de la bonne politique, de la politique propre, eh bien, moi, arrivé à la conclusion où moi, j'ai encore été sous scène et venu en bonne position pour que moi, participe dans une transition à cette phase de débat. Si les États-Unis, encore une fois, estiment que ma présence qui est capable de déranger parce que je n'ai pas la tête qu'il faut dans le moment ça. Nous n'avons pas besoin d'une tête rebelle ou bien un monde qui a campé gado droit dans le jeu pour tout, exactement ça pour le dire. Eh bien, je estime que Joseph Lambert peut être une colonne vertébrale qui est trop droite. Par conséquent, il faut se faire de Lambert. Regardez bien pour le timing. Le timing, monsieur, c'est à jour J, moins quelques jours pour la signature d'un accord souhaité par l'international avant de intervenir, et dans l'intervention, j'avais précisé que je ne veux pas d'intervention militaire dans ce pays, comme les autorables sénateurs, c'est Dildou, qui est prôné en assistance technique, logistique, opérationnelle, armée, en appui à la police, parce que moi, je crois que la police nationale, en mesure, pour faire un travail là, j'ai que le pas de faire, sans que le pas besoin, pour que c'est en occupation du territoire là, en humiliation peuple haïtien, hein, dans ce cas que nous passons des en bas même monde qui occupait nous, depuis combien de temps, 1915, retourner encore là avec plusieurs missions de paix,
et puis pour nous t'avoir prendre là encore avec toute cette sortie là avec ministre qui était choléra pour nous avec 10 000 morts pour être nous. Alors sénateur Lambert, sénateur Lambert, et par rapport avec intervention là, étant donné que il y a un pile monde qui t'est constaté, il y a de ministres dans le gouvernement ça qui là que États-Unis couper visa yo parce que tu as des reproches que vous fait moun ça yo. Maintenant, il y a des gens qui te pensent c'est parce que c'est officiel qui fait que il y a des réactions que États-Unis pas de gagner contre eux. Ou même où c'est officiel et mais yo cité non exactement, yo fait tweet. Est-ce que vous pensez que problème n'est vraiment son problème politique et que vous, en fait vous deux, nous c'est des gens qui livrés et où tu as pensé qu'on forme de protection pour membres qui sont dans le gouvernement que tu as reproché de bagaille drôle et au même coupé visa yo. Moi, je dis tout le monde, quand il y a la m'a dit beaucoup qui fait pilo. Beaucoup qui fait pilo. Tout le monde comprend, tout le monde ouais, et tout le monde saisit. Alors, je ne veux dire, c'est le secrétaire d'État Blinken est bien capable de tweet pour lui faire allusion à deux personnalités uniquement, qui c'est Jouy la Tortue, qui c'est Joseph Lambert. Et en plus, depuis combien de temps la fréquenté Mounsaïo?